inéluctable, clairement, et je pense que ça a atteint tout le monde, c'est la Ligue des Champions. Parce que même avec ses départs et même avec un puzzle à remonter, je pense qu'il y avait matière à faire mieux. Oui, ils sont passés. Ça, il fallait faire mieux. Là, ils se sont complètement déchirés. C'est un vrai échec. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini, et notamment en championnat où la deuxième place est encore possible. Et ça, un club de cette dimension-là, avec un bon entraîneur et des bons joueurs, doit être capable de faire une très bonne deuxième partie de saison pour assurer cette deuxième place. Une fois que tous les soucis ont été éliminés, et là je pense qu'ils sont en train d'être éliminés, il y a matière à dégager une équipe type de très bon niveau, je pense, qui sera la meilleure équipe type derrière le PSG cette année, c'est mon avis en tout cas. Je pense que quand tu as une attaque Falcao, Baldé, un Lemar qui est de plus en plus libre dans le jeu, parce qu'on parle de 4-4-2, mais aujourd'hui limite il a joué libre et quasiment comme un 10 pratiquement, et on voit tout ce qu'il peut apporter. Fabinho a tout intérêt à faire une bonne deuxième partie de saison parce qu'il veut réussir son transfert.